Anomalie détectée. Je détecte quelque chose. Sonde larguée. Je détecte les restes d'un vaisseau. Les capteurs montrent une anomalie. Les capteurs montrent une anomalie. Je détecte quelque chose. Sonde déployée. J'ai trouvé quelque chose. Je détecte quelque chose. Je déploie une sonde. J'ai trouvé quelque chose. Habitat 1 de l'initiative Andromède, planète Eos. La première étape devait être facile, jusqu'à ce que personne ne vienne et qu'on s'en prenne plein la tronche, deux fois. Pourquoi Sam a modifié la détection de fréquence? Qu'est-ce qu'on entend, Sam? Je reçois un signal, pionnière. Je recommande d'examiner immédiatement Eos. Sonde déployée. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Un signal identique à celui de l'habitat 7. Possible manipulation atmosphérique. C'est possible? C'est ce qu'on va voir. Si c'est... Comme sur la... Habitat 7, on va... Je m'équipe. Prêt à l'action. J'espère qu'on est tous prêts. Callo? Ok. J'intègre la zone de recherche de Sam.
Je me demande vraiment comment il a pu détecter ce signal dans la tempête. Un assemblage neuronal multisensoriel. C'est fou. Tout m'a l'air opérationnel. Je mets les compensateurs en route. Vous bidouillez déjà les moniteurs? Ça nous donnera des relevés bien meilleurs que ceux qu'on a reçus du Nexus pendant des mois. Quoi? Gentil, beaucoup de gens ont placé leurs espoirs en nous. Et Eos les a refroidis. C'est compréhensible. On leur promet un monde en or, et ils voient leurs amis y mourir. On ne sait pas comment ça peut... Pardon. Ça ira? Je pense que ce qui est arrivé à mon père m'affecte toujours. Vous n'avez pas trop eu le temps de l'encaisser? Non, c'est pas ça. Je veux dire, je le vis encore. J'entends des choses. Et ce n'est pas Sam. Pionnière, tempête opérationnelle. On est prêt. On descend. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'attends qu'un pionnier dise ça. C'est bon pour moi. Bouclier, ok. Angle ajusté. Ça va le faire, non? Là, posez-nous sur ces coordonnées. On commence. Les rapports indiquent que cette planète subit des tempêtes mortelles contaminées par les radiations du fléau. Le déploiement sur Eos a été interrompu par des dangers environnementaux et par la suite des individus hostiles. Ils n'avaient pas de pionniers non plus. Si Eos est comme l'habitat 7, il doit y avoir un lien entre l'atmosphère et le signal qu'on a scanné. On pourrait utiliser l'antenne de l'avant-poste pour le localiser. Il faut qu'on rétablisse le courant. Ils auraient dû savoir qu'elle ne ferait pas long feu dans ces conditions. Il n'avait pas de pionnier. Je suis là maintenant. On fera des... La porte est branchée sur l'alimentation de secours, mais il y a un code. Le site 1 fonctionne avec des codes de sécurité individuels. Chaque avant-poste organise son propre protocole. Contente-toi de dire qu'on a besoin d'un code pour l'ouvrir. Ouverture impossible sans code. J'ai trouvé une carte d'accès. Ça nous permettra d'entrer si nécessaire. La porte principale était alimentée, mais pas les portes intérieures. Une station relais opérationnelle serait nécessaire pour tout faire fonctionner. Ça veut dire que l'antenne est hors tension aussi. Les registres nous en diront peut-être plus sur le relais d'alimentation.
J'ai une partie du registre, mais je ne peux pas allumer l'antenne. Le courant est bloqué. Un verrou a été activé à distance. Les interférences proviennent d'un relais d'alimentation à proximité. Alors, on n'est pas les seuls à s'intéresser à ce qui s'est passé. Allons jeter un coup d'œil à ce relais. Regardez cet endroit. C'est un désert. Les radiations dans l'atmosphère d'Eos sont défavorables au développement de la vie. Des radiations ? Nos combinaisons nous protègent, hein ? Le site 1 dispose de pylônes déflecteurs pour atténuer les effets de la contamination. Et si jamais on sort de l'enceinte du site 1 ? Je vous le déconseille vivement. Ça ressemble à du pillage, et récent, quelques jours à peine. Qui d'autre est ici ? Structure droit devant. Sam ? Cette structure a toutes les caractéristiques d'une station relais pionnière. Bien, si on la remet en marche, le courant devrait revenir dans les bâtiments. Et on pourra localiser le signal. Faut croire que c'était pas un vaisseau Kert. Ils sont pas du genre à toquer à la porte. Y a des gens ici ? On pensait que tout le monde était parti. Ça m'étonne pas. Maintenant, dégagez. Trouvez-vous un autre coin de récup. Ici, c'est pris. Je ne suis pas une récupératrice. Je suis une pionnière. On vient arranger tout ça. Je m'appelle Clancy. Pionnière, hein ? Ça change pas grand-chose. Décidément, le Nexus a beau se prendre des vestes à répétition, il n'arrive pas à faire une croix sur Eos. J'ai détecté un signal qui va aider Eos. J'ai seulement besoin de courant pour l'antenne. Si j'ai coupé le courant, c'est pas pour rien. Les cartes sont de patrouille aujourd'hui. Si vous rallumez le relais d'alimentation, ils vont voir qu'une jolie cible les attend ici. Aidez-moi à rallumer le relais d'alimentation et je m'occuperai des cartes. Vous êtes cinglé, mais peut-être dans le bon sens du terme. D'accord, je vais activer les générateurs. Vous voulez jouer avec le feu ? C'est votre problème. On risque d'avoir des ennuis après avoir démarré les générateurs. Erreur dans la séquence de démarrage. Une intervention manuelle est nécessaire. Mais merde. Analysez l'un des pylônes pour déterminer un emplacement d'intervention piratable. Connexion au générateur possible. Emplacement marqué. Le générateur est en marche. Sam, ce cher Clancy, il faisait partie du personnel de l'avant-poste ? Négatif, pionnière. Les registres du Nexus indiquent qu'il est affecté au hangar. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? L'école buissonnière ? Il est peut-être un récupérateur à temps partiel. La station relais est prête à être activée, pionnière. Vous avez abattu toutes ces cartes ? D'accord, utilisez le relais.
Prenez ce que vous voulez, d'ailleurs. Juste un petit conseil. Si votre signal se trouve au-delà du périmètre, il vous faudra un véhicule. Un véhicule ? Des navettes par ce vent, c'est pas l'idéal. Il va vous falloir des roues. Je crois qu'ils en ont gardé en réserve. Je vais refaire le tour de l'avant-poste. Il s'agit pas juste d'en trouver. J'espère que vous serez plus malines que nous. On retourne à notre navette. Continuez comme ça. Peut-être que la prochaine fois, on trouvera mieux que de la ferraille par ici. Allez-y, on s'en occupe. La zinzin bleue va devoir acheter ses pièces détachées ailleurs maintenant. Courant rétabli. On devrait avoir accès à l'intégralité du site 1. Hein, Sam ? Exact. J'ai également localisé la source du signal qui provient d'une structure alien située juste derrière le site 1. Elle est très similaire à celle que votre père avait utilisée pour rétablir l'atmosphère de la planète précédente. Vous devriez aller vérifier. On dirait presque qu'on a une piste. T'as bien raison, Sam. Allons vérifier. Bien dit. Attention aux radiations au-delà du périmètre du site 1. Elles sont au-dessus des limites acceptables. N'y allez que si vous avez un meilleur équipement. Raison de plus pour aller voir si cette structure alien peut modifier cette planète. On ferait mieux trouver le véhicule dont parlait Clancy. Maintenant que le courant est rétabli, nous pouvons explorer les bâtiments alentour. Les murs pouvaient parler. Il se trouve qu'avec suffisamment de données sensorielles, il est possible de reconstruire une image du passé. Attends. Tu peux faire ça ? C'est normalement impossible, mais ce bâtiment appartient à l'initiative. J'ai donc accès à une multitude de systèmes et de données. On peut tenter le coup. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. Encore un code, comme si... celui qu'on a déjà trouvé. Véhicule éclaireur tout terrain. Un nomade, 6 roues motrices, micropropulseur, tout ce qu'il vous faut. L'initiative n'en a construit que quelques-uns. C'est sûrement le véhicule. Tiens donc, le centre de recherche de l'avant-poste est toujours intact. Je préviens le Tempête de cette récupération cruciale. La recherche a toujours été essentielle pour l'initiative. On en aura besoin ici aussi. Récupérer des trucs à droite et à gauche, c'est fini. Maintenant, on reconstruit. Quelqu'un d'autre est du même avis. Ce centre de recherche a été utilisé récemment pour surveiller le signal alien. On a les outils nécessaires pour trouver la source. Et peut-être d'autres personnes qui la cherchent.
La station de recherche est activée. J'ai dressé une liste d'armes que nous pouvons fabriquer en rassemblant les composants nécessaires. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. On dirait que les réserves de la station avancée sont intactes. Téléchargement du code d'accès du conteneur du Nomade. Devrait pas avoir de soucis. Vous pouvez vérifier la marche avant et la marche arrière. De radiation augmente rapidement, pionnière. Pionnière, c'est l'endroit où Nigel McCoy vous a demandé de déposer son pendentif. En l'honneur de son frère, Dash McCoy. Niveau de radiation normaux. Thank you.
proche du site 2. Résilience. Ça devait être celui qui fonctionne. Mais on n'a pas pu le mettre à l'épreuve du temps. Les Kurt l'ont rasé. On s'occupera des Kurt. Chaque chose en son temps. Je détecte des niveaux de radiation supérieurs à la normale. Niveaux de radiation normaux. C'est une couverture portable de... Le Nexus n'a pas fait rapatrier les corps? On les croyait perdus, Ryder. On ne savait pas qu'ils avaient été abandonnés à leur sort. Je me demande combien ils sont là-dehors. Beaucoup trop. Lexi, mettez le dossier de Gordalos Trinitus à jour et envoyez-nous une navette de rapatriement. Bonne idée. Sa famille a le droit de faire le deuil. On va leur donner mieux que ça. On va finir ce qu'il a commencé. La commande fonctionne, mais... Sam, la porte a été fermée de l'extérieur? Oui, pionnière. Il semblerait qu'un verrouillage manuel ait été enclenché avant que le courant soit coupé. Pourquoi faire? Des terminaux secondaires. Pas d'accès. Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. On dirait qu'ils sont partis rapidement. D'après les rapports, l'évacuation a été interrompue par les Kurt. Pionnière, un bulletin de maintenance a été émis au moment de la coupure. Ça dit quoi? Fuyez. Ne le laissez... Fermez la porte, vite! Tempête, on a un ennemi inconnu. Évacuez la pionnière. Hé, attendez un peu. Pas moyen, Harper. On ne peut pas se montrer maintenant, des cartes se dirigent vers vous. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Étonnant que le site 2 n'ait pas tenu, aussi résistant qu'il ait pu être. Tissa Hilar. Dossier mis à jour, pionnière. On dirait un champ de bataille. D'après les survivants, les cartes ont attaqué de tous les côtés. Un vrai massacre. Je pense.
pensais qu'il y aurait plus de corps, mais tant mieux. Il ne reste pas grand monde pour un massacre. Et si quelqu'un les avait emmenés ? On sait que le Nexus n'est pas venu récupérer les corps. Vous croyez que ça pourrait être les cartes ? Vous voulez me faire perdre le sommeil ? Je sais pas ce qui est pire. Ça, ou mourir à petit feu comme ma promesse. Au positif, Liam. Un autre déclencheur de souvenirs ? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc SAM sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. De la technologie de l'initiative à proximité. Ça vient d'au-dessus de nous ? Je la vois, sur cet échafaudage. Ça marche, mais je reçois seulement des symboles aléatoires, des glyphes. En ajoutant d'autres glyphes à ma base de données de l'Habitat 7, je pourrais m'interfacer complètement avec la console. Et avec un peu de chance, ça nous permettra d'activer ce qui stabilisera l'atmosphère. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. L'interface pionnière. Connexion en cours. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Le système semble instable. Il s'est passé la même chose que mon père l'a fait. Votre père s'est connecté directement au processeur d'atmosphère. C'était extrêmement dangereux. Ces structures cachent peut-être le centre de commande. Le système est toujours instable. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Je vais essayer. Non ! Enlevez-vous de là, ou je tire ! Oula ! Du calme ! Échouer maintenant, ça serait dommage. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tout leur... D'abord, enlevez-vous de là. Vous avez qu'à dire que je suis lourde. Je sais, je sais. Je suis qui, moi ? Je veux dire, je sais qui vous êtes, moi. J'ai vu le vaisseau descendre. Vous êtes une pionnière.
Je commençais à me dire que l'initiative vous avait inventée pour qu'on perde pas espoir. Mais non, vous voilà. Et vous, vous êtes qui? Vous étiez sur le point de me le dire. Je suis peut-être la solution à tous vos problèmes. Hé, regardez. Le système s'est stabilisé. J'établis la connexion. Oh. Je les reconnais. C'est les mêmes que sur la Bita 7. Plus tard. Pour l'instant, détruisez-les. Occupez-vous d'abord de celui-là. Il fabrique des petits robots. Avec les reliquats, c'est beaucoup moins bien passé. Les reliquats? Ces monolithes, les observateurs, les assembleurs, ce sont les reliques de quelque chose de bien plus grand. Mais ça fait trop long comme nom. D'où les reliquats. C'est aussi pour ça que je me fais appeler Pibi. Merci pour votre aide avec ces... trucs. Je m'appelle Ryder. Vous êtes une vraie énigme. J'étudie ces glyphes depuis des mois et vous, vous débarquez et bim! Problème résolu. J'ai vu cette technologie dégager le ciel sur l'Habitat 7. On espère qu'elle pourra en faire de même sur Eos. De la manipulation d'atmosphère? Possible, ça collerait bien. Toutes les pièces de technologie reliquate sont liées. Vous avez réussi à interagir avec ce monolithe, et maintenant, ils communiquent avec les autres. Si vous les réveillez eux aussi, ils vous mèneront sûrement au système capable de dissiper les radiations. Vous êtes sûr que ça va aider Eos? J'ai l'impression que ça vous arrange bien que quelqu'un vienne activer ces monolithes. Vous m'insultez, Ryder? C'est ça. Ok, peut-être, mais on aura toutes les deux ce qu'on veut au final. Et c'est pas comme si cette planète avait grand-chose à perdre. Tenez, mes coordonnées. Je serai... Il faut que j'étudie cette histoire d'interface. Faites gaffe, cette planète est pleine de surprises. Supérieure à la normale. Du nerf, Costa. Je ne veux pas me retrouver encerclée parce que vous n'êtes pas concentré. Vous préférez l'invasion butarienne, la colonne romaine ou l'unité Elcor? Choisissez-en une et tâchez de vous y tenir.
protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Des zones minières sont disponibles dans cette région pionnière. Je les ai ajoutées à votre système de navigation. Le niveau de radiation ne présente pas de risque. Et voilà, le temps est écoulé. De quoi vous parlez? On était censé avoir une maison préfabriquée maintenant, d'après ce qu'on nous avait promis. On va y arriver, pas vrai, Ryder? Garde ton approche. Je détecte de l'équipement de l'initiative à proximité. La personne qui a laissé ça faisait partie de la première vague de colons, non? C'est fort probable. Il est également possible que cette chercheuse ait laissé des datapads sur d'autres sites Relica. On les a tous eus. Imaginez quitter toute la folie du Nexus pour être les premiers colons à arriver ici. Tout le monde compte sur vous. Et puis... Cette fois, ce sera différent. Exact. C'est notre élément. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre... On dirait une sorte de complexe Kert. Ces fumiers m'ont piqué mon meilleur site de recherche. Ils vous laisseront pas approcher du monolithe comme ça.